Tu sais, si tu cherches un boulot ou qu'il y a une entreprise qui t'intéresse, que tu aimerais bosser dedans, mais qu'il faut que tu passes encore par la case de recrutement, il y a un truc qui nous fait tous un peu chier à ce moment-là, c'est la partie CV, lettre de motivation. Tu sais, le problème, c'est que cette partie-là, c'est souvent du fake. Tu le sens, tu vois, quand il faut que tu fasses ton CV et ta lettre de motivation, tu as l'impression que c'est du faux. Et moi, ça m'a toujours énervé parce que j'avais l'impression de devoir étaler mon palmarès de... Alors, j'ai eu mon bac, mention bien, j'ai fait mon DUT à Agen, j'ai fait tel stage, ça m'a apporté telle expérience. Enfin, tu vois, c'est chiant, ça. Ça n'a rien d'humain et moi, ça me saoule, tu vois, personnellement. Et je sais que faire une lettre de motivation, c'est très très chiant. Il y a plusieurs écoles, il y a plein de façons de faire. On ne sait jamais par où commencer au final. Tu ne sais pas s'il faut que tu étales absolument toute ta vie ou alors il faut que tu cibles précisément toutes les expériences et tout. C'est très très chiant. Et il y a une méthode, moi, que je trouve vraiment super parce que j'ai toujours été attiré par le côté humain des choses. Et si t'es un peu comme moi et que tu cherches à aller droit au but, tu vois, quand tu cherches du boulot et que quand t'es en face d'un recruteur, t'as pas envie de jouer un rôle, mais t'as envie d'être toi-même et de lui montrer qu'en étant toi-même, tu peux faire du bon boulot, mais cette vidéo, elle peut peut-être t'aider. T'as plusieurs écoles pour faire une lettre de motivation. T'as celle où on va te dire d'écrire précisément ce dont l'employeur a besoin et ensuite comment toi, avec tes compétences, tu peux lui amener quelque chose. Et après, t'as l'autre école qui est beaucoup plus naturelle et beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus humaine, on va dire, et moi, j'accroche beaucoup plus. Il s'agit en fait tout simplement... Pourquoi je te parle de ça? Parce que tout à l'heure, Jérôme, il me montrait sa lettre de motivation. Jérôme, c'est mon colocataire et son rêve pour l'instant, son objectif, c'est de bosser dans le fitness. Tu vois, il a envie de bosser dans une salle de muscu parce qu'il veut ouvrir la sienne et du coup, il veut avoir de l'expérience, tu vois. Il est prêt à prendre un peu n'importe quoi tant que c'est dans une salle, quoi. Ce qui est génial dans sa lettre de motivation, c'est qu'elle commence par une histoire, tu vois. Il raconte pourquoi il est attiré par la muscu, quels sont ses objectifs, quelle est sa passion et quels sont ses rêves. Et le truc, c'est que on est toujours beaucoup plus attiré par des personnes qui nous racontent des histoires, tu vois, qui nous donnent quelque chose à nous mettre sous la dent, qui nous donnent quelque chose à quoi on peut s'identifier. Et du coup, commencer cette lettre de motivation par son histoire, en racontant un peu d'où tu viens, où est-ce que tu veux aller, par quelle situation t'es passé, mais tout de suite, ça accroche beaucoup plus et tout de suite, l'employeur, il peut se mettre dans ta peau, tu vois. Alors que si tu lui étales un peu tout ton cursus, tout ton palmarès, tout ton tableau, tu vois, tous tes trophées un peu, mais c'est chiant pour un employeur. Enfin, moi, je me mets à la place d'un gars qui fait un entretien. Enfin, c'est chiant, tu vois. Ok, t'as eu un master, un doctorat, un mégalithorat, mais et alors, tu vois, derrière, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas m'apporter? C'est quoi l'humain? Qu'est-ce qui te motive, tu vois? Commencer pourquoi tu veux faire ça, c'est vraiment une super méthode. Et le truc qui est incroyable, c'est que ça marche un peu pour tout. Ça marche aussi quand tu veux faire des demandes quelconques, tu vois. On essaye toujours de vouloir faire plaisir à la personne et de lui dire ce qu'elle a envie d'entendre. Mais la personne qui est en face, elle a envie d'entendre qui tu es, tu vois. Elle a envie d'entendre, voilà, quelles sont tes putains de motivations, quoi. Donc toujours commencer pourquoi, raconte ton histoire, n'aie pas peur de parler de toi. Voilà, c'est à peu près tout, tu vois. Putain, mais tout à l'heure, on était 3 là, ils sont 10 000 là autour d'un pingouin. Les pauvres, ils doivent déjà être attardés mentaux, tu sais, ils doivent être complètement frustrés et tout. Bref, moi, je vais te laisser là. Et ouais, je vais continuer à profiter un peu du coucher de soleil là. Tu vois, on est sur la baie de Sydney. Et c'est vraiment plutôt sympa, quoi. Bref, moi, je te laisse là, je te dis à la prochaine. Parle de toi avant tout, raconte ton histoire. Ciao.